Je suis une boule d'énergie, je suis un passionné, j'aime la vie et surtout, j'aime les gens. J'ai perdu ma mère très très jeune, mon père a suivi pas très loin après. Ça a été vraiment une vraie souffrance et de l'autre côté, c'était très très vite une motivation qu'elle soit pas partie pour rien et qu'elle soit fière de son fils. Et voilà, j'ai suivi un petit peu son chemin, elle était musicienne. Et j'ai travaillé très dur pour ça, avec beaucoup de passion, avec beaucoup d'humilité, parce que la musique, c'est déjà avant tout un partage, d'accepter, de pouvoir comprendre, de pouvoir recevoir, avant de pouvoir avoir le plaisir de donner. Parce que la musique, elle appartient à personne. Donc j'étais livré un petit peu à moi-même, je voulais entendre rien de personne, et en fin de compte, il y a un éducateur qui était moins con que les autres qui lui a dit « Lui, il faut le laisser aller à la musique. » Et donc, en fin de compte, il me laissait sortir du foyer et il m'emmenait au conservatoire, il m'emmenait dans mes cours privés. Ça fait que je bossais comme un fou. Et après, il s'apercevait que je venais calme, je venais tranquille. Et en fin de compte, il a très vite compris que c'était mon issue de sortie par rapport aux copains, malheureusement, qui n'ont pas cette chance-là. Donc juste après le foyer, en fin de compte, j'ai pris mon chapeau orange et puis je suis parti carrément, je suis venu à Paris, je suis venu retrouver ma sœur. Et voilà, c'est la seule personne qui pouvait me comprendre et comprendre cette envie vraiment de réussir et d'être bien avec moi-même. J'avais une dame adorable qui était dans ma famille d'accueil, qui voulait à tout prix me donner des cours de piano. Et mon grand-père est venu me voir un jour et m'a emmené voir la garde républicaine. Donc je vois la garde républicaine et là j'avais des yeux mais écarquillés, faisaient un duel, faisaient un rigodon. Un rigodon, tu vois ce que ça veut dire, c'est... Le truc qui était super beau, vu avec 30 tambours. Et là j'avais des yeux écarquillés, je suis rentré, je voulais faire que du tambour, que du tambour, que du tambour. Et la charmante dame comprenait plus, elle ne voulait pas que je fasse du tambour, elle voulait que je fasse du piano. Le professeur va la voir, lui dit, écoutez, moi je perds mon temps, vous perdez votre argent, lui il n'en a rien à faire, alors mettez-le au tambour. C'était un truc de fou, imaginez, j'étais la mascotte et moi je m'amusais comme un fou, et je progressais, c'était extraordinaire. Toujours pareil, la rencontre des gens, transmission du savoir, pour moi c'était quelque chose d'une évidence. J'ai fait l'école à Goscinny, j'ai fait le conservatoire Créteil, le conservatoire de Fresnes. Et après, c'était pas pour moi encore assez. Je suis parti aux États-Unis, je suis parti donc au RIMAI, au Music Institute of Technology, à l'invitation de mon ami Steve Houghton, où j'ai rencontré des gens absolument extraordinaires, Joe Porcaro, Manfred Toro, vraiment des gens d'exception. Qui m'ont vraiment compris en fin de compte ma démarche. Ma démarche, j'étais ouvert à tout. J'étais vraiment un électron libre. Il n'y avait pas une musique qui... Je n'arrivais pas à rester dans un style de musique. Pour moi, tout était passionnant. Donc je partais à droite, je partais à gauche, je découvrais des rythmes que je jouais aux percussions, je jouais à la batterie, je remettais le percussion, je changeais tout. Et ils adoraient ça. Et il n'y a que là-bas où ils m'ont dit, vas-y, c'est une bonne idée. Alors là, j'étais motivé. Quand j'étais au conservatoire de Fresnes, et j'étais étudiant, et donc le directeur de la prison de Fresnes était un ami du directeur de mon conservatoire. Et à l'époque, où Mitterrand, 81, il y a eu des émeutes, des détenus qui étaient tombés des toits, une surpopulation, enfin c'était une catastrophe, la prison, c'était incroyable. Et je sais pas, ils ont eu une idée comme ça, le directeur de la prison a dit « Mais pourquoi on n'essaierait pas de faire rentrer l'art en prison, faire rentrer la musique ? Et toi, t'aurais pas quelqu'un qui pourrait faire ça ?» Et personne ne voulait le faire. Et mon directeur, Jacques Werner, me fait « Je crois que j'ai quelqu'un pour toi. » Il m'appelle et il m'explique un petit peu tout ça. Et je vais voir le directeur de la prison de Fresnes et là, ça a matché direct. Je savais pas où j'allais. Mais je sentais quelque chose d'énorme. Et voilà, j'ai commencé au QCPP, les petites peines. Et là, la machine est partie, quoi. Les détenus étaient extrêmement sérieux. La détention s'apaisait. Les surveillants voyaient que ça allait beaucoup mieux. Donc, on a joué partout. On a donné des cours partout. Et tout de suite, tous les détenus qui étaient en cours, il n'y avait
plus aucun problème en détention. Ils étaient passionnés par leur art et j'y suis resté 20 ans. En complément de la prison, quand j'ai senti que la musique pour moi était, ça y est, je tenais quelque chose, je sentais que je pouvais parler avec mes mains, je pouvais parler avec mes instruments. Et à partir de là, j'ai fait beaucoup de soirées privées dans le monde entier. Et la meilleure récompense, c'est quand les gens viennent te voir et te disent « t'es kabyle ?» J'ai dit « c'est encore plus beau que des applaudissements que tu me dis « je suis kabyle » parce que tu reconnais ta musique. » Et là, c'est des cadeaux de la vie encore. Je me dis « mais c'est incroyable, quoi. Bon, c'est ça alors, donc ça sonne, j'ai trop heureux. » Ce qu'il faut retenir de cette vie, c'est que tout est possible par le travail. Le travail et encore le travail. Comme disait Joe Porcaro, quand tu avais des petites baisses d'énergie, tu disais « ça va pas le faire, c'est trop dur ». Il te regardait et il te disait « que de talent gâché par manque de persévérance ». Et là, tu repartais. Pour moi, le patron, Miles Davis, il disait « il n'y a pas de mauvaise musique, il n'y a que des musiques mal jouées ». Ma philosophie, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise personne. Il y a des personnes humiliées de différentes façons. Je suis intimement persuadé que si on prend soin les uns des autres, ça ira beaucoup mieux. Ma plus belle expérience, mes enfants. Ça m'a donné une énergie. C'est toujours cette envie de faire bien les choses, qui soient fiers de moi et vraiment de leur transmettre des bonnes valeurs, quoi. Même si d'où tu viens, il n'y en avait pas beaucoup. Aujourd'hui, le bilan, c'est extrêmement positif. Si je meurs demain, ça aurait été fantastique, je mourrais heureux. Mais j'ai une famille extraordinaire, j'ai des petits-enfants qui sont fabuleux. Et c'est vrai que tout ça, ça a été aussi une motivation à essayer de bien travailler et leur donner au moins une envie de réussir, une envie de croire en ta passion. Ça m'appelle une histoire. Aux États-Unis, ils disent, c'est marrant d'ailleurs ce qu'ils disent, écoute, tu peux être balayeur. Mais même si tu es balayeur, ta rue, il faut que ça soit la plus belle. Et pour moi, c'est ça, voilà un exemple typique d'une réussite. C'est-à-dire, il faut que tu sois en accord avec toi-même, de te dire, c'est bon, c'était ça. Et je suis content, je suis très fier de moi. Mais comme je dis toujours, le meilleur reste à venir.